quoi là? Eh ben on va sur... Non, non, le premier qui posera un pied sur cette terre, ce sera moi. C'est compris? Oh putain. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare cette terre espagnole. Et je la nomme San Salvador. Excuse-moi, Christophe. Quoi encore? Il y a une majorité de Français dans l'équipage et ils veulent pas que cette terre soit espagnole. Ils suggèrent de l'appeler Saint-Sauveur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Tu te calmes maintenant, Christophe, hein? Sinon, ils disent qu'ils te laissent tout seul sur la plage et ils se cassent. Je vous propose un deal. La partie gauche de la plage est espagnole, la partie droite française. Ça vous va, les gars? Il y a aussi un matelot chinois, il aimerait être représenté. On n'a qu'à dire que le palmier là-bas sera chinois, hein? Ah bah c'est beaucoup, Christophe! Allez, vamos à la playa maintenant, hein? Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare cette terre espagnole. Et je la nomme San Salvador. Soy Matuka! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec là? Bah il dit qu'il nous a entendus de la plage, il dit qu'il est désolé mais on peut pas appeler cette terre comme ça. Oui non mais attendez, les minorités raciales ça va, j'ai déjà donné un palmier aux chinois donc merci. Allez, foutez-le à la carte. Nanouk. Cette terre espagnole et française, et je la nomme San Salvador à gauche et Saint-Sauveur à droite, voilà. Bon. Excuse-moi Chris, il y a le cuistot qui demande si on peut pas débarquer demain parce que ce soir c'est Shabbat. Oh putain, ça me saoule. Bah allez, c'est bon, demi-tour. Demi-tour, on se casse. Eh ben on n'aura pas tout perdu, on aura au moins gagné un Indien. J'ai gagné un Indien. Oh t'es chier Chris, hein, t'es chier. Bah oui, mais je suis le capitaine, il n'arrive pas à rentrer seul. Capitaine. J'ai gagné un Indien. Ouais.